Hello tout le monde, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour poursuivre la série Tir et Puissance avec le petit dernier que je vous ai présenté sur la chaîne en pistolet semi-auto calibre 9 mm PAK, à savoir le Bruny 96, réplique du célèbre et légendaire 1911 ou Colt 45 comme certains aiment l'appeler. Le voici, ça va être à lui de faire ses preuves. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, la série Tir et Puissance sur la chaîne, c'est l'idée de comparer en fait chacune des armes que je vous présente sur une cible identique, même distance, histoire d'avoir un comparatif assez objectif. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de voir trois pistolets semi-auto en 9 mm PAK qui sont passés par ces tests. Donc le Bruny Neopolis qui s'en était sorti haut la main. Ensuite, il y a eu le Timar 92 avec somme toute un résultat moindre, mais je lui réserve une petite surprise aussi à celui-ci. Il faudra qu'il refasse son retour. Et puis également, vous avez vu le Bruny P4, donc réplique du PX4 Beretta PX4 Storm qui s'en sortait très bien et puis en plus très précis aussi. Voilà, donc aujourd'hui c'est au tour du 1911 ou du Bruny 96 plus exactement. Donc on va se mettre dans les mêmes conditions. Balle titan comme pour les autres tirs. On va tirer au self-gomme du 20 mm avec un. Oh, j'en ai deux. Avec un pas de vis M10 x 1,5 pour ceux qui se poseraient la question ou qui n'auraient pas vu la présentation du Bruny 96. Alors, on va le préparer. Chargeur 7 coups. Voilà, on va mettre où? On va mettre la self-gomme bien au fond. N'y a plus qu'à tirer la culasse, mettre le casque, se positionner, les lunettes. Et c'est parti, je vous prends pour la phase de test. Deuxième étape. Donc on va aller de ce pas voir la cible. Il fait beau aujourd'hui, ça c'est cool. Donc la voici, celle qui a déjà servi aux trois autres tests. Donc je rappelle ici le Kimmer 92, donc Beretta 92 FS qui avait été tiré ici. Ça n'avait pas traversé. Le Bruny Neopolis, premier test qui avait été effectué en 20 mm self-gomme également, qui avait traversé, qui avait fait un bon pet à l'arrière sur la planche que vous voyez ici, d'à peu près une épaisseur d'un doigt. Et ensuite ici le Bruny P4, donc la réplique du Beretta PX4 Storm, qui avait traversé également carton et fait un pet sur la planche arrière qui était assez proche, assez équivalent de ce qu'avait fait le Bruny Neopolis, en un petit peu moins. Donc je vais vous positionner juste à côté et en vue sur la cible, et puis je vous reprends avec le flingue de l'autre côté. Voilà, je reprends. Donc on a le gun, qu'est-ce qui va manquer? Les lunettes. Le casque. C'est parti. On va armer. Pour rappel, celui-ci a tendance à tirer un peu en haut à droite, quelques centimètres. Donc je vais aller viser un petit peu en droite, histoire de contre-viser, histoire d'avoir quelque chose dans la cible. Allez, c'est parti. Et on l'a eu en pleine face. Alors, voyons ce que ça va donner. J'enlève le casque. Allez, c'est parti. Je vais vous reprendre avec moi au niveau du volume. Voilà, allez, voyons. Donc on l'a eu ici. Donc pour info, j'ai visé à peu près ici, j'ai contre-visé là. C'est ce que je vous disais dans la présentation, il a tendance à tirer un peu en bas à droite. Et donc on va aller faire le tour. Alors, bon, il a traversé déjà, hein. Vous voyez que c'est ici. Il a tapé là, la balle est restée à l'intérieur.
Quoi que c'est. Oui, c'est celui-ci. Ouais. Là, ici, vous aviez le Brunino Police. Là, le Bruni P4. Et là, ici, donc, c'est le 1911, le Bruni 96. Et donc, ça vient de taper ici. On a quelque chose de quasi identique au Bruni P4. Donc, le Brunino Police, pour l'instant, s'en sort toujours haut la main. Mais j'ai quelques surprises aussi à tester. Donc, on verra aussi si on ne peut pas faire un petit peu mieux que ce qu'on avait fait avec le Brunino Police en self-gomme. En tout cas, le Bruni 1911 Colt 45 s'en est sorti à merveille. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao!